C'était l'objectif, tout à fait, hein, faire réfléchir les parents sur le stationnement devant l'école. J'avais les parents d'élèves qui, à nombreuses reprises, m'ont clairement expliqué que ça devenait dangereux. Il y avait des allées et venues de voitures, que les gens ne faisaient pas forcément attention, qui se garaient n'importe où, n'importe comment. Et moi, je ne veux pas attendre d'avoir un gamin sous les pneus d'une voiture, renversé par une voiture, pour réagir. Donc, on a trouvé que barrer la rue pendant une semaine, ça pouvait être une solution pour faire réfléchir les parents. Alors, on a eu hein, des réflexions, vous voyez, depuis le début de la semaine, des récriminations, et puis d'autres gens, je viens d'avoir une maman là qui m'encourageait à poursuivre l'action. Donc voilà, ça va nous permettre de reprendre la discussion avec les parents d'élèves qui étaient partisans de l'opération, je le souligne, on a discuté avec eux avant, de reprendre aussi la discussion avec les enseignants. On a pu voir aussi qu'on avait un peu de réflexion à faire avec les enseignants, le personnel qui travaille autour de l'école sur l'organisation du stationnement. Donc voilà, c'est une première étape et on verra ce qu'on fait. L'objectif, je le répète, hein, c'est la sécurité des enfants. Alors, donc ça va être directement un appel au civisme aussi des parents qui ne se garent pas n'importe où devant l'école. Mais c'est le premier objectif, c'est un appel au civisme. Je comprends que le matin, tout un chacun est pressé. Je comprends qu'on a tous un temps précieux, qu'il faut aller au travail, etc. etc. Mais de grâce, partez 2 minutes avant, faites vraiment attention parce que on a vraiment des situations qui deviennent difficiles. Et puis surtout, respectez les passages pour piétons. Et quand il y a des endroits où on met des plots pour éviter que l'on se gare, eh bien respectez ces plots et vous ne garez pas à côté en plein milieu de la chaussée. C'est tout ce que ça veut dire.